Vous venez, Monsieur le Président, de faire, il y a une demi-heure à peine, à l'occasion du 13e anniversaire de l'arrivée du Parti Baas au pouvoir, une déclaration très importante, une proposition révolutionnaire, la création d'une direction politique et militaire syro-palestinienne unifiée, jusqu'à l'établissement, avez-vous dit, d'une entité palestinienne. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre si soudainement une décision aussi importante? La lutte de notre peuple en Syrie est liée à celle du peuple arabe de Palestine. Nous ne cessons de chercher ce qui peut être utile à nos frères palestiniens dans leur lutte. Aujourd'hui, dans mon discours, j'ai voulu montrer jusqu'où nous pouvons aller pour aider les militants palestiniens dans leur lutte pour la récupération des droits dont ils ont été spoliés. Cette proposition révolutionnaire, Monsieur le Président, l'avez-vous prise après avoir consulté l'OLP, proclamé à Rabat seul représentant légitime du peuple palestinien? Nous n'avons pas étudié ce sujet avec Yasser Arafat ou avec le comité exécutif de l'OLP. Comme je l'ai dit, nous réfléchissons constamment à l'affaire palestinienne qui est notre affaire, tout comme le peuple palestinien exilé fait partie de notre peuple. Cette réflexion nous amène à rechercher sans cesse les formes, les méthodes et les moyens qui peuvent promouvoir notre lutte. De là, mes propositions, dont, comme je l'ai dit dans mon discours, nos frères du comité exécutif de l'OLP auront seuls à décider. Nous sommes, quant à nous, prêts à les mettre en application s'ils y voient un intérêt pour leur lutte. Nous agissons pour renforcer la solidarité et la cohésion arabe et, chaque fois que nous y parvenons, nous considérons que l'unité des rangs arabes en sort renforcée et que cela nous rapproche d'une juste solution et d'une paix équitable. Que voulez-vous dire, Monsieur le Président, par jusqu'à l'établissement d'une entité palestinienne? Entendez-vous par là une entité palestinienne établie dans une Palestine totalement libérée ou bien simplement, par exemple, en Cisjordanie et à Gaza? En vertu de la décision unanime prise au sommet de Rabat, il n'est ni de mon ressort, ni de celui d'aucun autre de nos frères arabes, de parler des droits du peuple palestinien à la place de l'OLP, qui est seul qualifié pour les définir. Mais lorsque l'unité de la direction politique proposée sera réalisée, nous pourrons étudier et définir les droits du peuple arabe de Palestine. Et je suppose qu'à ce moment-là, il sera possible à n'importe quel membre du commandement politique unifié de répondre à cette question des droits du peuple arabe de Palestine. Pour le moment, je considère que notre ami Demeron devrait adresser cette question au frère Yasser Arafat.
Alors qu'il n'est pas question d'un nouveau pas, même petit, sur le Tcholan, on annonce, comme certains, à 50%, un accord intérimaire partiel dans le Sinaï entre l'Égypte et Israël, par les soins du docteur Kissinger. Pensez-vous qu'un tel accord, Monsieur le Président, marquerait un nouveau pas sur le chemin de la paix? Les petits pas séparés et partiels n'œuvrent pas pour la paix. Ils ne vont pas dans le sens de la paix. Ils ne peuvent que provoquer de nouvelles divisions dans la région. C'est d'ailleurs le but visé par la politique des petits pas. Les Américains connaissent bien notre point de vue à ce sujet. Ces petits pas visent à créer de nouvelles contradictions dont Israël pourra tirer profit pour poursuivre son occupation des territoires arabes et maintenir dispersé le peuple arabe de Palestine. Il va de soi que nous ferons tous les efforts possibles pour qu'Israël ne profite pas des nouvelles contradictions que cherche à faire naître la politique des petits pas. Pour qu'ils soient sérieux et qu'ils mènent à la paix, les efforts de paix doivent être les produits d'une action collective. Il n'est pas possible qu'une action solitaire mène à la paix. On a fait grand bruit récemment, Monsieur le Président, autour d'un éventuel projet américain de garantie militaire totale à Israël en échange de son évacuation des territoires arabes occupés après 1967. Est-ce que, selon vous, une pareil projet pourrait changer la situation? Du point de vue pratique, il n'y a pas de problème des garanties américaines à Israël. Les États-Unis garantissent en effet Israël. Ce qui confirme que la question des garanties américaines à Israël ne se pose pas et qu'Israël n'en a pas besoin, ce sont les livraisons d'armes sans précédent depuis la création d'Israël qui lui parviennent actuellement des États-Unis. Il est surprenant à ce propos que la propagande sioniste essaye de dire par le biais de certains organes d'information européens et américains que la Syrie est surarmée et que les paquebots soviétiques remplissent la mer face à la côte syrienne. Il est clair qu'il s'agit là d'une tentative d'Israël pour obtenir plus d'armes américaines et pour émouvoir l'opinion publique en Europe et en Amérique. La vérité, c'est tout le contraire. La vérité, c'est qu'Israël est submergé d'armes. Je ne veux pas faire état des informations en notre possession. Je citerai seulement les déclarations d'Ishak Rabin lui-même dans un de ses discours il y a quelques jours. Il a dit qu'Israël possède actuellement 50% de blindés de plus que pendant la guerre d'octobre. 85% de plus d'artillerie.
25% de plus d'avions. Il a parlé d'autres modèles d'armement divers. Voilà ce qu'a reconnu Rabin et qu'il a proclamé publiquement. Je veux affirmer que nos moyens militaires n'ont pas augmenté dans ces proportions. Puisque nous parlons d'armement, justement, Monsieur le Président, le président Sadat, à maintes reprises, et notamment à Paris, s'est plaint avec amertume de ce que l'URSS n'avait pas remplacé tout le matériel perdu lors de la guerre d'octobre. La Syrie, à ce sujet, semble-t-il, n'a pas lieu de se plaindre. Comment expliquez-vous, Monsieur le Président, cette différence de traitement entre vous et l'Égypte ? Les armes se trouvant en Égypte et en Syrie sont au service des deux pays et de la nation arabe tout entière. La comparaison doit se faire entre nous et l'Égypte d'un côté et Israël de l'autre côté. Comme je l'ai indiqué, Israël reçoit des livraisons massives d'armement. Nous demandons et nous agissons pour obtenir des armements d'une qualité et d'une quantité équivalents à ceux qu'obtient Israël. À plusieurs reprises récemment, Monsieur le Président, vous avez parlé de paix avec Israël. Pour éviter tout équivoque, toute interprétation, et surtout après votre discours de ce soir, à quelles conditions exactes vous paraît-elle possible ? La paix ne doit pas laisser un peuple dispersé hors de sa patrie. C'est ce qu'exige la Charte des Nations Unies et que consacrent les lois internationales. Cette charte et ces lois sont le résultat de la lutte de l'homme à travers plusieurs siècles. La paix dans cette région doit libérer les territoires occupés en 1967 et doit rendre au peuple arabe palestinien ses droits légitimes. C'est-à-dire qu'il ne doit plus rester de citoyens exilés de leur patrie.